La voilà, la voilà. Il y a eu un petit temps d'arrêt parce qu'elle voulait pas rentrer dans le ring, peu importe. Hasta la Victoria, présentée par Benoît Ducret de Auban. Il s'agit d'une fille d'American Post et Vadance, elle-même par Cadence. C'est la souche dont on a parlé il y a quelques instants, donc je ne vais pas tout vous répéter. La souche de Bruno Vines, c'est où on trouve Mikador, Concerto d'Haleine, enfin une foultitude de grands vainqueurs, et là je ne vous parle que de la première mai. Et elle est née, je ne l'ai pas dit, elle est née le 16 mars. Elle est née le 7 mars. On peut marcher ? Alors, voici le numéro 50 qui arrive sur le ring numéro 2. Comme ça, le public pourra plus profiter du modèle de votre fille de... Tiger Groom. Ah oui, Tiger Groom. Ah bah oui, enfin, à la limite, on n'aurait même pas eu besoin de revoir un catalogue, parce qu'elle lui ressemble, mais comme deux gouttes d'eau, à Tiger Groom, qui signe beaucoup ses produits, qui fait la montre, qui faisait la montre en tout cas pendant quelques années. Dans la Saône-et-Loire, Hirondelle de Guy, elle est née le 10 avril, messieurs les juges. Jean et Anthony, elle est née le 10 avril, cette fille de Tiger Groom, donc, et Casabelle de Guy, qui nous est présentée par Gérard et Vincent Delors. La souche des Guy. C'est le frère de cette hirondelle de Guy, fort bien née donc, qu'on va pouvoir faire marcher maintenant. Elle a par scooter bleu, elle a donc très très bien produit parce qu'il y a eu celle de Guy, et puis il y a aussi Prophète de Guy, 16 victoires en Angleterre, Hop de Guy, 8 victoires en Angleterre, vraiment une mère qui a donné des chevaux. On a beaucoup produit, on a fait 12 produits en tout cas, mais elle nous présente ici cette fille de Tiger Groom qui est née, je le répète, le 10 avril.